Salut les amis, Porto95 Gaming. Donc cette vidéo va vous montrer comment modder tous vos véhicules. Donc c'est le même principe que pour les avions, il faudra avoir un terabyte modé, c'est-à-dire Jean de Bénis et Plaque Youngton. Donc ce glitch fonctionnera pareil, soit avec le terabyte, Sandopé ou Avenger. Il vous faudra avoir le véhicule que vous voulez modder dans l'un de vos garages. Et avoir le sous-marin, très important pour faire le bug. Donc là, je vais dans le garage et on va sortir la voiture que je veux modder. Donc pour ma part, ça sera la JB. Ça sera cette voiture-là que je veux modder. Donc je vais la sortir dehors et ce qu'on va faire ensuite, on va devoir se faire arrêter par la police. Donc dégommer des PNJ afin d'avoir 2 étoiles et vous vous laissez tuer par la police. Dans le but que celle-ci aille à la fourrière. Donc vous vous mettez en sécuroserve. Ça nous servira par la suite à l'appeler. Et évitez d'avoir beaucoup d'amis car ce glitch marche mieux quand vous n'avez pas d'amis. Donc je renvoie le terabyte. Et on va commencer la manip. Donc il y aura juste un petit timing à faire. Il faudra aller en contact et aller dans la secrétaire. Moi je vous conseille, vous ouvrez le téléphone, vous allez dans contact, vous faites 2 fois flèche de droite et de là vous aurez accès à la secrétaire beaucoup plus rapidement. Allez, c'est parti. Donc là on va tuer le keuf qui est juste là à côté de moi. Et là, je vais me laisser tuer par la police. Donc, vous vous laissez tuer par la police. Ça a pour but que la véhicule aille à la fourrière. Donc là, je suis mort. On va réapparaître un peu plus bas. Donc, une fois ici, on va changer de trottoir. Ça dépend où vous êtes et on va demander le sous-marin. Donc une fois que vous demandez le sous-marin, rapidement vous ouvrez le téléphone, 2 fois flèche de droite, vous allez dans le secrétaire et vous spammez à fond. Il faut pas que le sous-marin apparaisse sur la carte, il faut que ce soit la voiture qui apparaît sur la carte. Donc là, demandez votre Cosacta, il apparaît de la flèche de droite, 2 fois flèche de droite, secrétaire et vous spammez le croix. Voilà, vous spammez croix. Donc si la manip elle a bien fonctionné, vous faites start, vous regardez sur la carte tout au fond à gauche, la voiture est à la place du sous-marin. C'est ce qu'on veut. On a presque terminé le glitch. Donc à partir de ce moment là, on n'a plus qu'à redemander son terabyte afin que la voiture spawn juste à côté de nous. Donc la voiture elle est toujours là, comme vous pouvez le voir. Et on va redemander son terabyte. Il se peut que des fois vous ayez un petit temps d'attente. Pour ma part, il reste 35 secondes. Donc, une fois que les secondes sont passées, vous demandez le terabyte. Vous allez voir que votre voiture, elle va apparaître juste à côté de vous, celle que vous voulez modder, mais par contre, elle ne sera pas moddée. Mais grâce à notre terabyte, vous allez voir que ça sera le terabyte, la voiture. Donc voilà, ma voiture, elle est juste à côté. Je vais descendre. Et je vais prendre la voiture et on va se diriger juste qu'à l'icône de mon terabyte.
Donc comme je vous l'ai dit, elle n'est pas modée. Donc profitez à fond de ce glitch, parce qu'à mon avis, il va pas durer longtemps. Là, on a un petit merch sympa. Il y a des dons de véhicules pour les terabytes. Question d'avoir plusieurs couleurs et plusieurs styles de jantes. N'hésitez pas à aller sur Twitter. C'est là-bas que ça se passe. Donc là, comme vous pouvez le voir, la voiture elle est modée, les amis. Et pour la sauvegarder, on va la rentrer dans le garage où on a acheté notre voiture qu'on voulait modder. Donc il faudra forcer un rond de sauvegarde à l'intérieur du garage. Et à chaque fois, il faudra aller dans l'éditeur. Une fois dans l'éditeur, vous allez en ligne afin de voir si la voiture s'est bien sauvegardée. Et ensuite, vous allez en session sur invitation et vous recommencez. Il y en a pour 5 minutes chaque voiture, les amis. Donc ça va très vite. Donc voilà, vous forcez un rond de sauvegarde. Et de là, vous allez dans l'éditeur. Donc c'était Porto 95 Gaming et je vous dis à très bientôt les amis.